Salut tout le monde, je suis ce mercredi le 4e de janvier de cette année 2023. D'après la nouvelle pluie récente, comme présentée dans le site web nfcnews.com. Pour le jour suivant, monsieur, la nouvelle, vous pouvez savoir ce que vous devrez vous annoncer. L'Agence fédérale FDA des États-Unis concernant le médicament sous forme de comprimé qui s'appelle Mifepristone, conçu pour prôner une exécution précoce de grossesse destinée à des femmes enceintes qui voudraient avoir seulement dans la nation des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, monsieur, l'Agence fédérale FDA des États-Unis, c'est le qui se trouve fonctionnaire chargé d'administrer médicaments et d'enrées alimentaires pour la nation des États-Unis. Elle vient d'annoncer la mise à jour destinée à la façon dont les femmes enceintes des États-Unis peuvent recevoir ce médicament Mifepristone sous forme de comprimé conçu pour prôner une interruption précoce de grossesse. C'est-à-dire, la nouvelle, on va dire que pour les femmes enceintes qui voudraient un avortement dans la nation des États-Unis. Elles ne vont plus s'obliger à se présenter physiquement à la pharmacie pour recevoir ce médicament. Tout cela peut se réaliser par la poste, c'est-à-dire après que le médecin aura donné ses consultations et que la pharmacie aura reçu une ordonnance. Ce médicament Mifepristone pourra se faire envoyer par la poste.